Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Carto. Live. La chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! L'aventure commence. Et il présente la carte. Coller le bateau. Non, pas encore. C'est le jeu que j'avais prévu après celui que tu m'as vu jouer la dernière fois. Je l'ai terminé. Grec ou la carte. Bienvenue à Globe Trotter. Tu es libre de modifier le monde comme bon te semble. Je vais déplacer chaque fragment de la carte. Et faire tourner. Ou les perfiboter. Je vais connecter les fragments dans les bordures correspondantes. Les parties sombres de la carte représentent les zones encore inexplorées. Vas-y, fais un tour. Trouver un nouveau fragment de carte. Connecte les nouveaux fragments au reste de la carte pour révéler un peu plus le monde. Les fragments de carte ont été dissimulés un peu partout. Plus tu en trouveras, plus tes horizons s'étendront. Je suis curieux de vérifier quelque chose rapidement.
Oh! Oh, niaiseux. Nye. Bon, merci. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Ouais, petite. C'est pas souvent qu'on a des visiteurs. Est-ce que ta famille t'accompagne? Je vois, peu importe. Tu es la bienvenue et tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, nous célébrons le passage à l'âge adulte de ma nièce, Diana. Oui, c'est un grand moment. J'ai tellement hâte d'y être que j'ai oublié mon appât en partant ce matin. Mais ce n'est pas d'importance, la cérémonie approche. Explore l'île en attendant, puis on s'y retrouve. Ah! Et qui? Est-ce que t'as 15 ans? Maman dit que je dois avoir 15 ans pour faire mon passage à l'âge adulte. Comment t'as traversé la mer si t'as pas 15 ans? Un bateau apparaît au pont en or quand on a 15 ans, c'est un cadeau de la mer. Ensuite, on monte dans le bateau et on quitte l'île. Pour toujours. J'aimerais bien partir pour toujours, ça doit durer au moins un mois. D'où viens-tu? C'est agréable de voir une nouvelle tête. Ça fait des mois que je ne mets presque plus le nez dehors. Ma petite chérie, accapare tout mon attention, comme tu vois. As-tu rencontré mon mari? Il pêche un peu plus loin. Enfin, il ne doit pas attraper grand-chose puisqu'il est parti sans appât, ce gros étourdi. Nous avons plus qu'à compter sur l'océan, comme toujours. Heureusement que ce petit bout de chou aime le poisson pas comme les autres, chenapan. As-tu rencontré les autres familles? Kélan et les siens sont arrivés sur l'île en premier. Ils vivent sur la côte. Et ma belle-sœur, elle habite dans la forêt avec sa famille. Ta fille Chiana passe à l'âge adulte aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse c'est arrivé. Un pot. Ta terre sans intérêt. Non. Je ne te reconnais pas, je suis vraiment perdu. L'île est petite, je sais, mais je me laisse souvent distraire sur le chemin du retour. L'océan est si beau et rempli de sirènes. C'est embarrassant, mais pourrais-tu m'aider à rentrer chez moi? Tu as l'air de savoir t'orienter. Ma maison se trouve sur la côte, à l'est de celle dans la prairie. Seulement, je savais où se trouve l'est.
pense bien vivre à l'est de la maison dans la prairie. Peux-tu me conduire? J'ai rien de les déplacer en dehors. Thank you.
fait la même chose, mais de l'autre côté. Ah, l'arc, ok, salut, la base, en fait. Moi que c'est le vieux, faut que je déplace. Bon, je savais. C'est le temps, ça. Je savais. Oh oui, je reconnais. C'est ma maison. Et cette femme doit être la mienne. Quelle chance. Merci de m'avoir aidé. Bonjour. Merci d'avoir aidé mon mari à rentrer. Je l'adore, mais il serait bien capable d'oublier sa propre tête. Pourquoi t'avoir déjà vu? Viens-tu d'une autre tribu? Quels sont tes costumes? Notre club est pionnier des mers. Une fois parti au large, nous nous installons sur une première île trouvée. Nous avons eu la chance de tomber sur celle-ci et elle est parfaite. As-tu rencontré Chiana? C'est une jeune fille formidable. Son départ nous fera beaucoup de peine, mais nous sommes de tout cœur avec elle. Elle sera sûrement heureuse de te rencontrer si l'occasion se présente. Le bateau doit bigarrer. On va essayer le couvert. L'intérieur est découvert un autre pot. Dans ce pot, il se trouve un autre petit pot, encore un peu petit. Un vrai dépôt de pot. Personne. Pas la palourde, miam. Thank you.
Sur Chiana, elle vit dans une forêt, c'est plus grand que celle-ci. Cherche la plus grande forêt de toutes. Salut Lucas, comment ça va? Ah! Chiana. Chiana. Cette fille. Une hache de bûcheron. Ah, je peux t'aider, tu es dans une propriété privée, tu sais. Désolé, ces derniers jours avec Chiana. Non, pas été facile. Tu es la bienvenue chez nous. Puis, Chiana ne cesse de dire qu'elle reviendra un jour après son départ. Mais cela va à l'encontre de nos coutumes. Ce n'est pas le souhait de la mère. Lorsque l'un des nôtres parvient par la mer, il ne reviendra jamais à ses origines. C'est la tradition. Je sais, ma chérie, elle me fait bouillir parfois. Elle a toujours fait comme bon lui semble. Je me demande... de qui elle tient. Je suis sûr que la situation est tout aussi difficile pour elle. Efforçons-nous simplement de profiter de nos derniers moments ensemble. Diana est sûrement allée s'isoler au lac. Pourrais-tu aller la voir, ma petite? Tu as l'air de savoir l'écouter. Un ragoût de fruits de mer au train de cuir. Miam, miam, miam. Ma femme et moi avons construit cette maison et tout ce qui se trouve. On est plutôt habiles de nos mains. Nous deux, viens. Je vais te faire visiter. Ici se trouve le salon, la chambre, la cuisine. Et voilà, c'est tout. Oh, ben merci. Super poterie en argile, c'est super. On dit que ces animaux vivaient sur la terre de nos ancêtres. Il semblerait qu'on appelle ça un ours noir ou un ours. Parcours difficile de croire que ce animal existe. J'aimerais voir ça. Hey, as-tu jeté un œil à tout ce qu'on a fabriqué? Les feuilles semblent divinement bonnes, tu ne trouves pas? Cette plante a traversé l'océan à mes côtés. Un vrai goût de fruits. Un collier de coquillages dans l'une des coquillages brille de tout. Un fragment de carte.
Dans les toilettes, dans la forêt grande. Je vais aller voir chez Anna, s'il te plaît, elle doit être au lac. Chiana, Chiana, Chiana. Soupir. Je ne suis pas prête à partir. C'est la tradition, je le sais, mais ma famille est toute pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas revenir leur rendre visite une fois que j'aurai pris la mer? Notre peuple suit ses coutumes depuis si longtemps que je parie que plus personne ne sait à quel point Rim. Les traditions ne sont pas forcément bonnes, tu sais, des fois on les applique simplement parce qu'il en a toujours été ainsi, sans se poser la question. Excuse-moi, je suis contrarié, merci de m'avoir écouté. Qui es-tu? Oh, ne sois pas nerveux, je m'appelle Chiana, bienvenue sur mon île, même si je m'apprête à la quitter aujourd'hui après ma cérémonie de passage. D'un côté, je trouve ça excitant, mais j'ai aussi peur de me sentir seul. Je vais sûrement mettre du temps à me faire des amis. Et les aventures sont toujours plus amusantes en groupe. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais qu'est-ce que tu dirais de m'accompagner? Je suis sûr que tu serais une super amie. C'est vrai, génial. On va s'amuser comme des folles. J'ai hâte de d'en parler à mes parents. Et tes parents, tu devrais les prévenir, non? Bon, on n'aura qu'à les trouver. Oh, j'ai une dernière chose à faire avant de prendre la mer. Tu pourrais peut-être m'aider? J'aimerais emporter une poignée de terre pour pouvoir toujours garder mon foyer près de moi, mais j'ai encore besoin de temps pour dire au revoir à mon île. Est-ce que tu pourrais aller m'en chercher de la terre? La meilleure est celle qu'on trouve là où la forêt, la côte et la prairie se rencontrent. Tiens, tu auras qu'à la mettre dans le sac. Merci. La meilleure terre se trouve à l'intérieur de la forêt, de la mer et de la prairie. Est-ce que c'est l'endroit avec les caractéristiques dans toute l'île? Ah, il faut trouver ce qu'est le morceau de terre. Bon. Scratch, scratch. Ça, c'est fait. Est-ce que tu as trouvé? C'est la terre. Cette terre est parfaite, merci. Tiens, c'est bizarre. Il y a un bout de papier dedans. Oh, tu l'as vu, tiens. Je crois que c'est tout ce qu'il me fallait. Je suis prête à partir. On se lance à la conquête de l'océan. Chiana et Carto. Chiana et Carto. Wouhou! Va te préparer si tu veux. On se retrouvera sur le Panton Nord pour ma cérémonie. Youpi. On se voit au Panton Nord. On se voit au Panton Nord. Ouais, on se voit au Panton Nord. On se voit au Panton Nord. Allez, on va au Pantanor. Pantantan, pantanti, patato. Bien, elle va vraiment me manquer. Qui m'aidera à tirer mes filets? Mais je suis extrêmement fier d'elle et je te remercie de l'accompagner. Chérie, regarde ce bateau et le cadeau de la mer offre à Chiana. À chaque fois, l'apparition de ces bateaux semble être une pure magie. Ouais, c'est trop chouette ce bateau. Sauf qu'il n'y a pas de pince. On y est. Je s'attends pour le concours canin. J'ai un service à demander. Prends ce souvenir avec toi.
J'aimerais que tu le donnes à mon fils si jamais que tu le rencontres quelque part. C'est un peu probable, mais s'il y a une chance que tu puisses lui transmettre notre amour, je veux la saisir. Que la mer couvre notre voyage de bonheur. Kiana a beaucoup de chance de t'avoir comme ami. Bon, je crois qu'il est temps. On m'a dit que tu t'accompagnais. Kiana, c'est très gentil de ta part. Kiana, salut Carto. Je n'en reviens pas. Le bateau est vraiment là. Bon, je crois que je suis prête à partir. Et toi? Ouais. Oh, la cérémonie commence. Kiana, mon trésor, j'aimerais t'offrir ce cadeau d'adieu. C'est un collier en arête d'espadon. Oh, il t'apporte paix et persévérance. Il t'accompagne nuit et jour. Ma magnifique fille. Ferme les yeux et sens la tendre caresse du vent. Trouve ton destin comme nous avons trouvé la nôtre. Nous t'aimons, Shyanan. Merci à tous pour vos encouragements. Je passe à l'âge adulte et le monde m'attend. On se reverra bientôt. Diana, arrête tes bêtises. Elle plaisante, chérie. Passe bonjour. Elle a quelques mots. Oh, le caniche parle. Adieu à tout. Je pars pour un merveilleux voyage. Allez, Carto. En route pour cette aventure. Terminé le chapitre 1. Ouf, nous y voilà. Je n'arrive toujours pas à croire que c'était la première fois que tu naviguais. Tu es un vrai loup de mer, Carto. Je ne sais pas comment tu nous as sortis de du brouillard. Je sais que ta tradition dit que je dois m'installer sur la première île que je trouve. Je vais explorer un tout petit peu. Le monde est grand. Cela dit, ces paris ne me déplaisent pas. J'ai des récits d'explorer peu. Pendant que vous jetez un œil aux îles alentours, on se retrouvera ici demain. En attendant, je te jure que je trouve cette ville sous-marine. Je suis sûr de l'avoir vue. Salut, Comédélou. Bon anniversaire, ma jolie demoiselle. Yeah. Ça me semble que j'avais pogné. J'en avais attrapé deux. Il dort. Réveille-toi, petit. Mes moutons, t'as quel âge maintenant? Est-ce que tu as vu mes moutons? Je me suis assoupi un instant et ils ont dû en profiter pour partir me promener là-dedans. C'est belle des neiges. Papa a dit qu'elles ont un goût de guimauve. Les moutons ont dû m'entendre. Tu peux m'aider à les ressembler? Ces petites graines écoutent le rythme de la terre, émergent de votre sommeil forestier. Extirpez-vous de votre cage terrestre et dansez sur mes airs entraînants. Dansez. Le mouton adore ces petites boules de laine, t'ignore. Il doit vraiment adorer ces fleurs.
Il ne te suivra que si tu trouves quelque chose d'encore plus délicieux. La plante la plus délicieuse? La prairie de Tatatatuanara peut-être? La réponse, elle est fermement rythmique. Perdu ses moutons encore une fois. S'endormir encore tant les moutons, c'est quand même le comble pour un berger. Et je suppose qu'il t'a demandé de les rassembler. Il te suivra sûrement si tu avais quelques pommiels. Mais ne confonds pas les pommiels et les diablicots. Les deux poussent à proximité. On a même fait une chanson, écoute bien. Eh ben, boule rouge qui simule sans qu'une queue. Mais gare aux diables qui rôdent, ne touche pas à eux. Faut la range comme ça. Être laid. Suivez-moi, petit moutin. C'est un jeu pour toi, ce comédie douce. C'est pas trop compliqué. Je vais peut-être réussir à t'en sortir. Oh, l'hostie, tu as trouvé plus que trois. Princesse saine et sauve, la petite vilaine, plus que deux moutins à trouver. Tu as trouvé Mimosa, Kelchamnopang, je ne vois pas Pénélope. Elle a dû aller dans le coin secret au milieu de la berge. Tu as trouvé le coin secret de Pénélope, il est bien caché, mais entouré de belles, des neiges de tous les côtés. Ok, ouais. Et voilà! Yeuf, tu as retrouvé tous mes moutons, merci mille fois. Tu as l'air doué pour trouver des choses, tu pourrais m'aider à aider mon papa. Il cherche tout le temps la nouvelle plante pour sa collection. Viens nous envoie notre tente et je vous présenterai. On vit de l'autre côté de la prairie, tu n'as qu'à suivre la route. Je rejoindrai là-bas, juste compter les moutons. À suivre la route. Suivre la route, il n'y a rien au bout de là.
C'est chaud, j'ai pas vu de capot. Et toi? Ma chaîne fait ça. Ok, yes. Ma chère Carto adorée, quel désastre tu dois avoir peur. Mais ne crains rien, je connais ma petite fille, elle est forte. Ne t'inquiète pas non plus pour moi. Le dirigeable s'en est bien sorti, après tout, il l'a connu bien pire. Les habitants de ces terres sont très aimables, quoique un peu étranges, et je sais que nous finirons par nous retrouver. C'est dans notre gène, tu es bien loin. Mais mon cœur reste avec toi et n'oublie pas de récupérer tous les fragments de cartes que tu trouveras, ils t'aideront à t'orienter. Allez, lance-toi à l'aventure et amuse-toi bien. Bisous, mémé. La route. Sentier droit vers le pont. Oh, ça courait génial. Je vais y arriver. Je dois venir devenir un grand collecteur de plantes comme Manka. J'ai vu la Lazur Lys hier, mais je ne le dis pas à ma maîtresse. Les enfants, écoutez-moi. Ceci est un creux. Lunaire, il s'ouvre à la lumière de la lune et planche sous terre pendant la journée. Ouais, elle appelle cette plante un dos d'abeille. Elle a l'air douce, mais il veut mieux éviter de la toucher car sa piqûre est très douloureuse. Bonjour, ne fais pas attention à nous, nous sommes en plein cours. Est-ce que tu cherches le mot et passe généralement par ce chemin? Tu le sentier en courbe et tu tomberas sur sa tente. Enfin. Il lui arrive de s'arrêter au bord de la rivière, tu peux... Ouais. Pour y arriver. Oh, en fait, si tu le vois, dis-lui que ces moutons sont encore attaqués assez chaud. Elle avait dit vers la droite.
Non, je peux. Yes! Elle dit à droite, mais la carte n'était pas du bon côté. Dans le pont, je pense que c'est l'autre bord. N'interromps pas ma mission secrète. Je veux dire mon travail. Absolument normal dont je peux lui parler. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on cherche la source de la rivière. Il paraît qu'on y trouve une plante très rare quand les conditions sont idéales. Il pourrait s'agir du lotus spectral, mais je ne peux pas te dire que je dois m'y rendre. M'y remettre. Je touche au but. Tout ce qui va pas là. Thank you.
de la route. Ah. Y'a quoi jeter des fleurs? Ne touche pas à moins que tu peux y avoir de problème. Y'a pas d'aiguille dans cette nouvelle là. Voilà, j'ai essayé de faire la sieste, mais Pénélope n'arrêtait pas de péter. T'es sûr que tu ne lui as pas donné diablicote? Enfin bref, je vais te présenter mon père. Il collectionne toutes sortes de plantes. On va peut-être l'aider à trouver de nouvelles. Il est juste derrière le rideau. Car notre premier papa ne dit pas ça. La peau duquel il y a une douce menteur flûtée. Un rideau que tu viens de cacher. Mélange de la fusion des bases de plantes, ça sent. Yeah. Permis de soupe de chou. Mijote de soupe. Bienvenue à ton nom de quelque chose. Bienvenue. Mon fils m'a dit que tu l'as aidé à retrouver les moutons. Un grand merci. Ne sois pas timide. Tous les visiteurs de cette prairie sont nos amis. Je suis Mankar, le fort d'une remarquable collection de plantes. Mon groupe et moi explorons régulièrement d'autres prairies en quête de nouvelles plantes. Nous échangeons également nos graines avec celles d'autres tribus pour qu'elles puissent faire pousser tout type de plantes. Nous n'arrêtons jamais de chercher de nouvelles espèces. Par exemple, j'ai trouvé un nouveau type de rose, je sière. On devrait lui trouver un autre nom d'ailleurs, car ça ne sent pas la rose. Mais assez parlé de moi, dis-moi tout sur ta prairie. Attends, ne me dis rien. Je parie que je peux deviner d'où tu viens. Je n'avais jamais vu ce genre de vêtements. Viens-tu de part de l'océan? Les algues dans tes cheveux t'ont trahi. Mais de quelle île viens-tu? Ne dis rien. J'ai une idée. Oh, Mankar. Mankar Keltus. Mon carnet dans la pièce d'à côté recense les plantes que j'ai croisées lors de mes voyages. Jette un œil. Dis-moi ce que tu reconnais dans une plante de chez toi.
Grâce à ça, je pourrais sûrement déduire d'où tu viens. T'as autorisé à lire dans son carnet, quelle chance! Le carnet est épaissi, rempli de notes concernant les diverses plantes. Ben dansant, il se balance au rythme du vent jusqu'à parfois se déplacer nonchalancement jusqu'à la forêt voisine. Patate aigre, il ne peut qu'exiger une part de kilomètres carrés par une absurde l'acidité des plantes environnantes. Pousse mousse, il ne s'agit pas du tout de mousse, mais d'un tapis de sauterelles pigmentées. Perpsige, kegourib, et bien plus encore. Trouver mon carnet de notes. Tu n'as trouvé aucune plante en île natale. Comment est-ce possible? De quelle terre lointaine peux-tu bien venir? Quel type de flore y pousse? Tu es si mystérieux. Je comprends que Mo ait voulu que je te rencontre. Ça peut être m'aider. Chaque prairie possède une plante unique. La nôtre est le lotus spectral. Il brille d'une lumière magnifique, mais il est aussi éphémère que son nom le suggère. Agouillement. Oh, pauvre petite, tu dois être affamé et moi qui te rabats les oreilles avec des plantes. Peux-tu dîner avec nous et dormir ici? Nous pourrons reprendre nos discussions autour du repas ou bien parler d'autre chose. Bon? Papa? Prépare donc le dîner. Prévois des couverts de plus pour notre invité. Bien sûr. En attendant, pourrais-tu me rendre un petit service, jeune pousse? Nous sommes à court de brie-feuilles depuis hier soir et j'ai demandé à Gang... Gad d'aller en chercher dans la forêt, mais ça a fait un bout de temps qu'il est parti. Vous allez voir ce qui se passe. Pendant ce temps, je vais prendre l'air. Je n'aime pas trop rester loin de la nature trop longtemps. Votre Gangsta, il doit être quelque part vers, le forêt, vers la forêt. Et où ce forêt là? Là c'est perdu des pistes. Forêt-saint, comme t'entends Ganga. Les gars, par ici, j'ai vu t'entends Ganga entrer dans cette forêt. Thank you.
écoute, j'ai entendu la voix de Tonton Gangsta dans la forêt. Bon. Je savais que je t'avais vu maintenant. Viens jouer. C'est l'heure de jouer, t'entends Shingo? Tant que d'une grosse voix jouant en forêt hurlant. J'ai enfin trouvé la source de la rivière. Mais c'est... l'heure du dîner, le temps passe vite quand on résout les mystères. Je ferais mieux d'aller manger, même si j'ai hâte de revenir explorer la rivière demain. Enfin, le petit serpent risque de me retenir encore un moment. Tu peux donner ce brie-feuille à mon quart de ma part, merci. Tu as trouvé Ganga. C'est grâce à ça que nous informons tout le monde qu'il est l'heure de manger. Il a le goût d'un fond de rivière, mais son odeur est extrêmement alléchante. Et tape des mains, ma belle. J'ai le ventre plein, tu as aimé ma tarte de la prairie. C'est maman qui m'a appris à la recette avant de mourir. Je pense toujours à elle quand je la prépare. Elle est au ciel maintenant. La 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 la, tu as aimé nos chansons? Celle qui s'appelle le chant de croissance. Chante en harmonie avec la prairie. Papa a dit que si on entend l'oreille, on peut entendre la voix de chaque terre. Maman lui a appris à chanter avec les graines. Il me l'enseignera bientôt à moi aussi. J'ai hâte. C'est vous là-dedans. Il se passe quelque chose d'exceptionnel à la rivière. Ganga a trouvé le lotus spectral. Il est sur le point d'éclore. Tout le monde est parti voir. Viens avec nous. J'ai vraiment vu le lotus spectral, mais d'un coup, le cours de la rivière a changé. On pouvait attendre qu'il change de nouveau avant de le voir. C'est seulement que je pouvais changer le cours de la rivière. Changer le cours de la rivière.
Ouvrir. Le cours de la... de l'eau a changé, Horace. Il nous cherche à nous cacher. Allons nous cacher. Il paraît que cette plante est très timide. Faisons-nous discret. C'est génial, non? On ferait mieux de se cacher. Oh, c'est palpitant, tellement hâte de parler à mes élèves. J'aurais bien aimé les amener, mais sans trop bruyant. Tout le monde a trouvé un endroit où se cacher, il y a que la place ici. Par ici, tout le monde a trouvé un endroit où se cacher, il y a la place ici. Très sain. Pour la plante. Oh, le lotus. C'est magnifique. La tabarnak. Mon dieu. Mon dieu. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait, le lotus? Spectra ne se mange pas, les moutons ne mangent que des choux. Oh non, le lotus spectral, certains des moutons l'a effrayé. Que faire? J'étais un lotus spectral, où est-ce que j'irai? Au bout d'un pan. Il a l'air bloqué. C'est-à-dire... que je vais dire aux enfants? Qu'un mouton a tout saccagé le plan. Et oui, la fin du chapitre 2 du jeu Carto, un jeu super intéressant qu'on retrouve dans le Xbox Game Pass. Donc c'était tout, la première heure de Carto, live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!